Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la marque Lethal Cosmetics. Donc, j'ai une palette pour les yeux et une palette pour le teint. Palette personnalisable. Voilà, vous choisissez vos teintes, vous mettez dans la palette vide aimantée. J'ai une avec 4 fards, mais on les testera dans le crash test des nouveautés vendredi. Ou samedi. Samedi, je crois. Je sais plus. Enfin, ça vient. Voilà. C'est cette semaine. Donc, on va tester ça. Pour la palette de teint, je vous ai donné les prix dans un vlog. Je vous renoterai. Je les ai eu. En fait, j'ai acheté parce que c'était à moins 21% sur le site de Douglas. Amis belges, profitez-en. Je ne sais pas si c'y est encore ou pas. Donc, vous avez la palette vide, hein, que vous pouvez mettre 3... poudre à l'intérieur, puisque le bronzer et le blush, ils appellent ça des poudres, et un highlighter. Moi, j'ai mis un bronzer, un blush, un highlighter, quartz, bloom et halo. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai juste mon fond de teint, ma poudre et tout y quanti. Mais on va tester ça tout de suite. Et la palette, c'est, je ne sais pas, c'est pas noté sur la palette. J'ai la jaquette ici. C'est, mais c'est pas noté non plus. C'est quoi ce bordel? After Dark palette. Donc c'est une palette de 12 fards. Le packaging est très beau. Voilà. Vous avez 1, 2, 3. Vous avez 4 lumineux. Et le reste, c'est des mats. Il y a un blanc. Voilà. Donc il y a quand même moyen de faire des jolies choses, je pense. On va tester ça tout de suite. Alors je vous dis tout de suite, on va se concentrer dans les teintes mauve rose. Parce que j'ai envie. C'est les teintes qui me font envie, surtout celui-ci. J'ai très 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 envie de tester celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc on va d'abord faire le teint. Je me rapproche un tout petit peu. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Je dégage la touffette. Je m'installe correctement. Et on va donc commencer par la palette de teint. Alors, je l'ai juste swatché en vlog et ça a déjà fait un trou dans. On voit la forme de mon doigt. Le blush, ça fait pas pareil, il est un peu plus sec. Et l'highlighter, il était beaucoup plus intéressant en photo qu'en vrai. Mais il a l'air quand même très beau. Donc voilà pour les teintes. Je sais pas si vous allez voir. L'highlighter, c'est censé être un duochrome. Alors oui, il est duochrome. Hein. Mais c'est pas non plus un truc de foufou, quoi. Donc c'est des teintes passe-partout, j'ai pris, je me suis dit vu le prix, autant prendre des trucs que je peux utiliser souvent, hein, parce que voilà. Donc petit pinceau bronzer, petit bronzer, et on est parti. J'arrivais pas à tenir ma palette dans ma main. Alors la teinte est nickel, ça, il est vraiment froid, il est sublime. Il est assez bien pigmenté, il n'y a pas de problème. Et il a l'air de bien se fondre. Alors, c'est pas du tout le genre de prix que je mets habituellement dans mes produits, hein, on est d'accord. Sauf exceptionnellement, et là j'avais envie de faire une petite exception. La marque m'intriguait vraiment beaucoup. J'avais très envie de tester cette marque. Les duochromes avaient l'air top top. Maintenant, je vous le dis tout de suite, avant de tester les fards, rien qu'avec les swatchs, allez sur Glam Shop ou Constance Carole, hein, vu les prix. Hein, voilà, parce qu'ils font absolument rien de plus. Bon, alors le bronzer, j'aime bien. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que si j'aimais pas les produits, vu le prix que je les ai payés, je râlerais un peu quand même, hein, voire même beaucoup. Donc franchement, il a une très belle teinte. De toute façon, je vais intégrer la palette à ma rotation. Je vous remets la rotation du moment en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et je vais ajouter ça. Et probablement des produits qu'on va crash tester aussi à la fin de semaine. C'est pour ça que j'avais pas mis grand chose dans la rotation. J'avais anticipé. Pinceau poudre et on plante. Bon, bah le bronzer, je valide, j'aime bien. On passe au blush. Qui a l'air
bien pigmenté. Donc j'ai pris une teinte vraiment rose poudré, comme ça, un peu bois de rose. Enfin, bois de rose plutôt, carrément. Il est vachement plus poudreux que le bronzer. Le bronzer est plus crémeux. Pourtant, c'est la même gamme, hein. C'est juste la teinte qui change. Bon, un peu plus de pigmentation, ça aurait pas été du luxe, hein. Vous voyez, c'est assez discret. Je vais rajouter une couche, hein. Ouais, un petit peu plus de pigmentation, ça aurait été pas mal, mais au moins vous risquez pas de vous louper. Mais j'aime bien la teinte. Il est vachement poudreux dans le pan. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout le cas du bronzer. Alors que c'est vraiment. Je vous dis, c'est dans la même. Vous choisissez juste la teinte. Et ben j'aime bien. Alors on va passer au highlighter. Donc celui-là, il a intérêt d'envoyer de la loupiote, hein, parce que je vous dis, vu le prix. C'est discret, hein. Oh, voilà. Bon, sur le bout du nez, c'est un peu mieux. Mais bon, après, si vous aimez le glow naturel, alors c'est pailleté, hein, il y a des micro paillettes logiquement dedans, puisque c'est le but, c'est les paillettes qui sont plus duochrome. Mais je cherche le glow, hein. À 20 balles la lecture, je m'attendais à ce qu'on me voit jusqu'à la lune, et là, même les voisins ne me voient pas. Hein. Bon, je suis déçue par le glow. Alors, ce que je vais faire, je vais en prélever au doigt. Je tapotine, et j'estompe avec mon pinceau. Et ça a l'air un petit peu mieux. Après, il y a des textures comme ça. Il vaut mieux travailler au doigt comme les Colourpop, donc c'est peut-être le cas de celui-ci aussi. Ah, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. C'est pas encore un truc de foufou, mais c'est mieux. Bah, écoutez, je valide, mais sans plus, vu le prix. Voilà, il y a beaucoup mieux ailleurs, quoi. Même l'highlighter, je suis quand même pas transcendé par le bazar. Hein. J'ai pas l'impression de briller de 1000 feux, hein, là. 200 feux peut-être, mais pas 2000. Hein. Bref. Donc, je vais mettre ma base et poudrer mon arcade sourcilière. Je vous laisse pendant ce temps-là avec les swatchs. Je me rapproche et on teste la palette. In the bathroom of your parents' house, then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not. J'ai envie de faire le coin interne en turquoise et de rester dans le turquoise et mouf. Turquoise, turquoise et mouf. Voilà. Alors, je vais commencer par prendre un pinceau boule mais large, et je prends le mauve pastel ici. Alors, c'est poudreux. Je fais mon creux externe. Attendez, hein, je réfléchis. Non, je fais tout mon creux. Je vais faire un 2/3, 1/3, un cocktail. Bon, c'est bien pigmenté, c'est quand même assez pastel, donc c'est quand même bien pigmenté, mais c'est poudreux, donc attention. Là, j'en mets sur 1/3 de ma paupière aussi. Je commence à dégrader. Mon racine. Ouais, là où j'ai pas de base, ça accroche vachement moins. Voilà, je viendrai peaufiner le dégradé après. Je prends un pinceau boule plus précis et je prends le aubergine ici, que je mets en coin externe. Je fais
Moratti plus précisément. Il est plus clair sur la paupière que dans le pan. Il fait plus fuchsia aussi. Il est beau, hein? Et il s'occupe bien. Il ça a l'air de bien superposer. C'est déjà ça. Je reprends mon premier pinceau et je blende de l'extérieur. Ouais, les phares se fondent super bien entre eux par contre. Ouais. C'est de la qualité, je ne peux pas dire le contraire. Alors, je passe au pinceau plat et je reprends la teinte lilas pour mettre sur ma paupière mobile ici pour faire une couche en dessous du lumineux. J'oublie pas de bien dégrader avec le plus foncé. Alors, on a plein, ils sont beaux aussi, ils sont bien opaques. J'essuie mon pinceau et je prends du coup le turquoise. Vous y avez envie. Et je le mets sur le reste de la paupière. Donc je dépasse au-dessus du creux pour estomper directement le turquoise. Il est magnifique par contre. Avec la tranche, j'en mets en ras-de-cils interne. Sympa le camion qui passe quand je parle. Alors, je prends un pinceau plat propre quand même et je vais prendre celui-ci pour mettre au centre de ma pipière. Donc, il y a des toutes petites paillettes bleues turquoise dedans, justement. Donc, ça va aller super bien. Alors, je dégrade un peu sur le bleu et un peu sur l'espèce d'aubergine. Ici, au doigt, hein. Hyper poudreux par contre. Allons-y gaiement. Ah oui, au doigt, c'est largement mieux. Ouh, c'est joli. Je reprends le pinceau avec un tout petit peu d'aubergine pour intensifier ce fard-là et dégrader ici. Et en coin interne, je vais mettre celui-ci. Supralumineux, magnifique. Il est très beau. On va en mettre un petit peu sur le sourcil aussi. Allez, on revient jusqu'à la tête d'ailleurs. J'en mets partout. On prend un bain de glow. Et franchement, supralumineux. J'aime beaucoup. Et ben voilà. Je vais rien faire de plus. Je vais même pas rajouter de fioritures. Je vais pas faire de trait de liner, je vais juste mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure, mascara, rouge à lèvres, je vous dirai ce que c'est après. Je viens vous montrer ce que ça donne et on parle de tout ça juste après. Donc voilà le look final avec le teint et les yeux de la marque Lethal. On va y revenir tout de suite. Sur les lèvres, j'ai juste mis mon crayon Essence et Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Valeur sûre quand vous ne savez pas quoi mettre comme teinte. Un petit nude passe-partout. Il est idéal pour ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je pense alors, de la palette teint. Donc, c'est une palette que j'ai composée moi-même. Donc, les teintes forcément me plaisent. Le bronzer, j'adore. Le blush, j'adore. L'highlighter, j'aime bien. Maintenant, pour le prix, j'aurais préféré du boum boum, quoi. Vous voyez, des pétouilles au moins. Et là, j'ai pas l'impression que ça pétouille de ouf. Hein. Je sais pas ce que vous voyez. Alors, ici, ça scintille un peu sur le bout du nez, ça va. Alors, c'est plus discret que ce que je mets d'habitude, mais je peux m'en contenter, surtout vu le prix. Mais, voilà, les fards, les produits se travaillent très bien. Ça, j'ai rien à dire. Et le fait que vous puissiez choisir, vous pouvez mettre 3 highlighters, 3 bronzers, 3 blushs, ou un chaque comme moi j'ai fait. Vous pouvez choisir vos teintes. Voilà, ça fait une petite palette personnalisée qui vous conviendra plus ou moins bien.
Voilà, maintenant, non, on va d'abord passer à la palette pour les yeux. Très bonne qualité de fard, voilà, je ne peux pas dire le contraire. Bon, j'en ai testé 1, 2, 3, 4, 5. Les deux là, j'adore, hein, ces illuminés. Les mats se travaillent très bien, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien, ils se superposent bien, ils sont bien pigmentés, rien à dire sur la qualité. Le turquoise est magnifique, et ces deux là, je vous jure, de la bombe atomique. Celui-là, pour le coin interne, parfait. Maintenant, je vous ferai un réel avec des autres teintes. Je pense qu'on partira peut-être dans le rose, rose orangé. Ouais, on va peut-être utiliser celle-ci. Maintenant, je trouve. C'est de la bonne qualité, il n'y a rien à dire. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. C'est pas de la meilleure qualité que Beauty Bay ou Colourpop ou des choses comme ça. Et les lumineux, je vais quand même vous montrer la palette de 4 fards personnalisée que j'ai achetée. Donc voilà, en sachant que pour la palette là et la palette là, j'en ai eu pour plus de 80 euros avec les moins 21% quand même. Donc je trouve que ça fait très cher. La palette elle est à 40 euros. Là, les teintes que j'ai pris, donc pareil, hein, là, vous payez la palette, j'ai pris que 4 fards parce que c'était beaucoup trop cher. Donc j'ai pris deux multichromes et deux métalliques. Donc, je vais quand même vous faire les swatchs. Hein. Je sais plus les teintes. Ici c'est Venom, ici c'est Stargaze. Attendez, hein, ça va me revenir. Rétrograde, ici. Et celui-ci, je ne sais plus. Enfin bref, de toute façon, on en reparlera dans le prochain crash test. Alors, les multichromes sont canons, les métalliques sont canons. Voilà, je vous montre. Ici, vous avez les deux duochromes et ici, les deux métalliques. Vous voyez que le duochromage, enfin le multichromage, on le voit bien. Je vous fais quand même les swatchs. Hein. On les testera, je vous ai dit, dans la prochaine vidéo crash test. Vous voyez qu'ils sont vraiment très beaux. Maintenant, bon, le premier, j'ai complètement craqué dessus. Hein. Il est vraiment magnifique. Il est multichrome bleu, vert, rose, mauve. Magnifique. Maintenant, est-ce que ça vaut son prix? Toujours pas. Parce que si vous achetez les Constance Carole ou les Glam Shop, je vous remets les swatchs de mes fards en barre d'infos. Vous pourrez voir que chez Glam Shop, les multichromes, ils sont moitié prix et ils envoient du lourd autant que cela. Donc, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est une marque qui fait quand même hyper cher. Après, c'est raisonnable. Hein. Je ne peux pas dire que c'est pas de l'abus non plus. Mais je trouve que ça fait très cher pour une qualité qui n'est pas supérieure à des produits moins chers que j'ai. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce que je regrette mon achat? Non. Parce que j'avais très, 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 très envie de tester cette marque. L'univers m'a vraiment inspiré. Et le fait qu'on puisse. Alors, il y a des palettes, mais vous pouvez faire vos palettes personnalisées jusqu'à 20 fards, je crois, ou même plus. C'est vraiment très bien, mais après chez Glam Shop, vous pouvez faire exactement la même chose. Chez Glam Shop, il y a les frais de port qui sont pas donnés, mais au final, ça vous revient quand même vachement moins cher. Je sais plus pour combien j'en avais eu lors de ma dernière commande. J'en avais eu pour une centaine d'euros, je crois, mais j'avais 12 fards, dont 3, 2 ou 3 à 10 euros parce que c'était les multichromes, justement. La palette vide. J'avais pris un fard supplémentaire pour changer celui que j'avais en double. Donc, voyez, ça revient quand même. Avec ça, j'en ai pour 80 euros et là, j'en avais pour presque 50 euros quand même. Voilà. Donc, voilà. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un full face crash test Glam Shop. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de produits qui m'intéressent. Donc je pense que pas tout de suite, hein, parce qu'il faut le temps que j'ai des sous pour commander tout d'un coup, que les teintes qu'il me faut soient dispo. Je pense que je vous ferai un crash test full face comme j'ai fait avec le W7 dernièrement. Je vous remets en barre d'infos. Et voilà. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Dites-moi si bah, le make-up j'aime beaucoup. Je pense que vous aimerez aussi. C'est très simple. C'est un que j'ai déjà fait régulièrement, enfin cette teinte-là. Dites-moi si c'est une marque que vous connaissez déjà. Donc elle est vendue sur Maki Beauty. Et moi, je l'ai commandé sur Douglas et on m'a dit aussi qu'elle était dispo sur Nocibé. Donc, voilà. Maintenant,
ça vaut pas son prix à mes yeux, puisque je vous dis, j'ai de la qualité identique pour moins cher. Mais je suis contente d'avoir testé. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque, si vous avez déjà testé la marque, si vous avez envie de tester la marque, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage et ça m'aide pour le référencement sur YouTube. Vous avez la petite icône merci aussi si vous voulez participer aux futurs achats de la chaîne pour m'éviter de trop dépenser à mon petit portefeuille. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.